Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons installer le CMS Tagadash en local. Je télécharge sur le bureau l'archive que je décompresse. Voilà. J'ouvre le répertoire www de WAN. Je glisse et dépose le répertoire que nous retrouvons ici. Nous nous rendons sur phpMyAdmin de WAN et créons la base de données. Créer. La base de données est créée. Il n'y a pas de table, bien évidemment, puisque nous devons maintenant procéder à l'installation. Nous sommes sur l'interface du localhost. Je rafraîchis la page et je lance ici l'installation. Serveur localhost, utilisateur root, base de données, je vais faire un copier-coller. Et nous passons à l'étape suivante. Préfixe tuto tagadash, moi je laisse toujours un underscore pour plus de clarté. Je valide. Nom d'utilisateur, le mien, Patrick. Mot de passe tutoriel. Je confirme le mot de passe. Adresse email, ce n'est pas utile, mais on va mettre tuto gmail.com, pourquoi pas. Valider. Le titre du site, tutoriel vidéo, Tagadash, valider. Nous arrivons sur votre site. Le tutoriel est terminé. Le prochain tutoriel portera sur l'administration du site, ce lien qui n'est pas visible par vos visiteurs, ainsi que vos membres, bien sûr. Faisons un tour sur phpMyAdmin. La base de données est créée. Nous ne voyons pas les tables. Les voici. 30 tables. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt.